Ah, est-ce que je vous ai déjà dit que à chaque fois que je me connecte sur mon compte free-to-play, je suis très content ou pas? Parce que si je vous l'avais jamais dit, bah c'était le moment de vous avouer mes sentiments. J'adore me connecter sur mon compte free-to-play tous les soirs vers 1 h du matin, ça me rend très très heureux de le faire. Voilà, maintenant vous êtes au courant, vous en faites ce que vous voulez. Oh, mon Activity Found, il est à 100%, putain, je l'ai pas bien opti. Après, ça doit pas faire très longtemps qu'il est à 100%. Oh, regardez. Trois reines. Jiwoo. J'aime trop les yeux de Jiwoo en vrai. Ils sont incroyables, ces yeux jaunes. Je pense qu'ils sont jaunes parce qu'elle est chinoise. Genre j'avais pas fait ça. Enhance, clear instance dungeon. Je sais plus où on s'en est arrêté. Il me reste des gates à miner. Ah ouais, il m'en reste 8 à faire. Waouh, waouh. 110K battle power. CSC. Et moi j'ai pas les yeux jaunes. Mon chat était donc chinois. Ça se trouve, ton chat il est chinois, tu le sais même pas. Hein. Comment ça, ton compte free-to-play, tu veux dire le nôtre? Ah oui, pardon. C'est vrai que je suis censé te le donner, je sais pas quand. Je connais des streamers chinois, ils auraient pas kiffé. Oh. Ça se trouve, le Lican là, il est chinois aussi. Regardez, il a les yeux jaunes. Ça se trouve, c'est un Lican qui se prend pour un dragon, il crache du feu aussi. Ça se trouve, j'ai même pas mis les bonnes blessings aussi. Les bons skills. Ça va et toi, Mikey? J'ai. Non, mais je crois celui-là, déjà, je le passais close. C'est fou, j'y joue toutes les 24 heures, j'arrive plus à me souvenir dès que je le quitte ce que j'ai fait. Du coup, quand les gens ils regardent les rediffs, pour eux, il y a une transition de 3 secondes et demie. Et ça se trouve, ils vont me prendre pour un débile. Non, regarde, il a une immunité jaune, le Lican. Ça veut dire qu'il aime pas les Asiates, il est raciste. S'il a une immunité jaune, c'est qu'il est raciste. Si t'as une immunité, si t'as une résistance contre les jaunes, c'est forcément t'aimes pas les jaunes. Tu peux pas être autre chose. Chaud quand même. Pourquoi est-ce que j'ai réactivé mon Shadow Step? Réponse après la pub. La pub elle est terminée, c'est parce que je suis un débile. Ah mais c'est vrai que c'est la bonne variante là de Death Dance que j'ai. En plus c'est la version épique. Ah non, je l'ai pas encore moi parce que j'ai un jour de retard sur les free to play. Vu que ce compte il date genre il est pas à jour. J'avoue il doit ronfler sec. Qui? Moi je ronfle pas quand je dors les gars. Pas de quoi vous parler. Moi je ronfle pas. De toute façon c'est trop nul de ronfler quand tu dors. Ça dérange les gens. Moi j'aime pas déranger les gens quand ils dorment. Ok, je tue celui-là. Et après, je suis à vous.
반격의 시포를 이용한 양분이 되겠어. 천복고야 빈틈! 놓치지 않는다! 반격의 시간이다. 장난의 일쯤. �as-y, on finit en beauté. Si tu ronflais bien fort, la voisine, elle aurait adoré. Pourtant, t'habites à Marseille, c'est la ville où tout le monde s'enfile des petites jaunes. Salut, je suis free to play, j'ai obtenu Chae avec son arme, puis Jiwoo, Beck, ainsi que Doublon, nanana. Eh ben t'en as des choses à écrire toi. Non, en vrai les doublons de Chae, ça dépend si tu l'as eu rapidement ou pas. Si tu l'as eu rapidement, tu peux essayer d'avoir des doublons dessus, mais même sans doublon, elle fait le taf. Ah bah super. Aïe. Vite. Oui, je l'ai eu. C'est un peu chiant de taper en désavantage type, je vais pas vous mentir. Pour être honnête avec vous, en toute franchise, en toute honnêteté, pour vous dire la vérité, vous avez d'autres mots ou pas? En vrai là je me suis gavé, j'ai trouvé beaucoup de synonymes je trouve, pour dire la même chose. J'ai jamais vu ce spell, je crois, depuis que je joue au jeu. Je savais même pas qu'il était capable de faire ça. Je suis choqué, comme dirait l'autre. Oh, monsieur. En toute franchise, je l'ai déjà dit. Puisque t'es niveau 41, t'as sûrement battu Baruka. C'est la vidéo de demain. Demain, il y a l'épisode 4 et j'ai battu Baruka. Sans mentir. Ah ouais, peut-être je l'ai pas dit celui-là, bien vu. Première fois, je vois le loup faire ça aussi, pareil. En toute confidence. Ah, je l'ai pas dit ça aussi. Vous, ça se voit, vous broyez la langue de Molière quand même. Vous la consommez bien. Moi, ça dépend. Merci pour le follow, Forlan. On dirait genre code Jordan, mais code Forlan. Alors, faudrait que je casse des clés en plus. 4 clés en plus. Vas-y, hein, on va faire ça du coup. Ça me coûte des ressources free to play de le faire. Je pense que j'ai le temps pour passer le tier 5 en vrai. Mais bon.
Ça roucoule ici. Code saut dans la boutique, la team. Par pitié, va au vieux port samedi et laisse-moi faire une photo avec toi. Après, si tu veux, je me mets à poil et je saute dans l'eau, ça te ferait de l'audience en plus. Je suis pas chaud d'aller au vieux port samedi du coup. Hein. Je sais du coup, grâce à toi, là où je vais pas aller samedi. Je vais éviter cet endroit à tout prix même. Quel bail. Get wrecked. On va le sécher avec l'ulti là. Dommage que j'avais pas le timing pour pouvoir récupérer mes Moonshadows en même temps, mais. Eh oui, monsieur. Mais merde, j'ai vraiment fail ça. C'est de ma gueule lui. Il a trop cru la vie, c'était un kiki. Oh, il vient pour repartir. Ne viens pas si c'est pour faire ça. Dis que t'avais la flemme de venir. Non. Je vais peut-être pas passer la run là. Non. Si c'est bon. Viens à Paname. Bof hein. C'est lui-même le vieux porc. Uch. Je saute pas et je garde mes vêtements. Mais y a quoi samedi au vieux port? Et moi je sors pas de chez moi. Moi samedi soir je suis en train de jouer à solo leveling. Le lican il a fait comme le daron. Il est venu et il est parti. Bon, ce qui est un peu chiant là, c'est que dans mon challenge en fait je dois utiliser encore deux fois ça. Donc ça veut dire que je dois refile. Je vais plutôt attendre le reset, hein, 25 minutes, j'économise des... Oh putain, sa mère, j'ai 10 clés! J'ai dit quoi? J'ai 10 clés? Wouah! Ah ouais, non, ça c'est chaud. Hein. Merde, j'ai 10 clés à faire en 25 minutes, je vais y arriver ou pas, à votre avis? Taper 1 pour oui, taper 2 pour non. Taper 3 pour réessayer. Et là, je voulais faire une photo avec toi parce que t'es le code sous les figurines, ça me fait bander. Là, vous êtes trop des attention war. Deux sauf si tu caches play. Oh non, la voisine, elle a tapé des pieds. La voisine, elle a fait ça, regardez, elle a fait ses audio. Voilà ce qu'elle a fait, la voisine, à son parterre. Je comprends pas pourquoi elle est aigrie comme ça, j'ai pas crié, non?
Je suis un peu un troller quand même. C'est bon, j'ai rectifié le tir. Demande grosso à la voisine, tu parles normal, tu cries pas. Ouais. J'ai peut-être respiré trop fort, c'est vrai. Mais plutôt ta voisine, tu me donnes l'adresse, je fais un dino chandelle avec, je la soulève et on n'en parle plus. Déjà pourquoi elle dort à 1h du mat même? Sérieux, elle reset à 2h, elle veut dormir à 1h du matin, elle est folle ou quoi? Elle est pas au courant? Je pense qu'on lui a pas dit. Hein. Le reset c'est à 2h, hein. Si tu veux dormir c'est minimum 3-4 heures du matin. Mais vraiment minimum, 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 minimum. Minimum. Salut, j'ai un problème quand je lance le jeu, ça me met fermeture en raison de lancements multiples. T'as peut-être ouvert le jeu deux fois, genre sur iPad ou PC. Ou peut-être il y a trop de gens qui essayent de se connecter en même temps, et vu que toi, t'as une mauvaise connexion... Bah t'es pas prioritaire sur la connexion par rapport aux autres. C'est que de la spéculation ce que je dis. Hein. Parce que moi j'ai jamais eu ce problème, du coup je saurais pas t'aider. Pour démarrer le PC, je l'ai eu plusieurs fois ce bug. Pour démarrer le PC carrément? Je viens de passer Vulcan et j'ai monté mon perso SR de merde pour rien. Comment ça mon perso SR de merde pour rien? Il est utile, j'ai pu le passer. La voisine elle est déjà low HP. Si elle savait comment tous les soirs on parle d'elle. Elle va croire que je suis trop fan d'elle même. Ah c'est ça que je voulais faire, je voulais changer de tenue. Parce que c'est bien beau d'être devenu monarque des ombres mais... Moi je veux ma tenue de noob. Imagine, elle tape du pied pour que tu fermes plus vite, elle te motive juste, t'inquiète. Ah, c'est pour ça. C'est une bonne voisine en fait. C'est vraiment le sang. Feel strongman rain time. Moi je me sens... Ah ouais j'ai dit je parle normal, il pleut. Salut les gars, j'ai une question. J'ai lose une petite chat une fois.
Puis je l'ai eu et j'ai reperdu l'appétit pour avoir son doublon. Vous pensez que ça vaut le coup quand même de chercher le premier doublon de stock pour la prochaine unit? Gros, t'as tellement invoqué. En vrai, je pense que c'est peut-être mieux. D'économiser si t'es free to play. Après, si tu cash play, premier doute bon de Chae, tu le regretteras pas. J'ai branché ma souris parce qu'elle avait plus de batterie. Ça veut dire, du coup, s'il y a un chat qui vient, bah, ma souris elle meurt parce qu'elle pourra pas s'échapper. Roll the dice. J'en ai combien? 18. Jamais j'ai le doublon. Never. Oh mais donnez-moi des bons portails un peu, non? Oui, même en free-to-play, tu regrettes pas. C'est vrai. Au lieu de brancher ta souris, branche la gourgandine qui te sert de voisine. Quoi, gourgandine? C'est un truc péjoratif. Ça se forme vite, hein, quand même. Les gates. Les gâtés. J'ai déjà mis 150 balles aujourd'hui sur le jeu, mais il y a le pack augmentation de Chae encore à 90 balles, il fait envie, putain. Ah ça. Dans 15 minutes, on a la multi du jour 56. Ah ouais, mais ça, ça sera sur le main. En plus, il faut juste stack mes tickets, je suis déjà arrivé à la pitié, moi. Je me demande si je vais y arriver. Je suis dégoûté d'avoir perdu deux fois d'affilée la pitié. C'est vrai que c'est dur quand tu perds la pitié. Hein. 50-50. C'est pas mal, hein, Chae comme personnage en vrai. Stade là, même mine il fait des dégâts. C'est trop marrant. Et pas Stromae. Tu l'araignée, c'est somptueux comme personnage, tu sais. T'arrives, debuff de mine, tu mets 4-5 fois le spell et il meurt. Elle meurt. À ne pas confondre avec Emmerdinger. Ah, comme par hasard, sur le moment le plus important, elle est pas là. Come on.
Tu te douches? Ouais. Pas tous les jours par contre. Deux fois d'affilée, elle proc pas son crit. Tiens, prends ça dans la bouche. Combien? Ouais. What the fuck? C'était une toupie Beyblade. Vous avez vu? Trop bizarre. Did you see what I saw? C'est ça qu'on dit en français, en anglais? Did you see what I saw? Est-ce que vous avez vu ce que j'ai vu? Did you saw what I see? Plutôt? Downloading the game now, what hunter should I go for? So Jiwoo, Emma Laurent, Min Byung-gu, Chain. Là c'est combien sur son free to play? J'ai 5 doublons sur mon free to play. J'ai fait une multi 3 fois 3 SSR, 3 Chae. Après je suis allé jusqu'à la pity, j'en ai droppé 2. What I've seen? Have you seen the same as me? Ok. Ok. Les gars, free to play, c'est un moyen de dire fils de pute, mais en gamer. Pourquoi tu mens, toi? Il esquive, hein. Ça dodge bien ici, hein. Alors que moi, bof, hein. Quand elle dit ça, j'ai l'impression à chaque fois elle dit je suis en train de l'éclater. Yoso, tu rigoles, à Live H24, je suis en vac au Mexique, je peux caler tes streams en attendant ma graille, c'est incroyable. Quoi, ça veut dire j'ai un viewer, il est au Mexique. C'est une folie, ça. Après, je live pas H24, je live aux horaires où je suis censé stream habituellement. Hein. Mais tant mieux, en vrai, ça régale. Vous habitez où, vous? Vous habitez dans quelle ville? Moi, j'habite à Marseille. Oh là là. Bah, t'en as un à La Réunion aussi. Waouh. Paris, Bruxelles, Valencia... En Espagne, Lyon, Marseille. Stylé, j'habite à Martigues à côté de chez toi. Ouais, je connais. Rennes, Bruxelles, Aveiro, Portugal, Toulon. Je connais Toulon. Rollon, Marseille, Montigny. Havre. Je connais le Havre aussi. Nîmes, Bordeaux. Orléans. Villepomée dans le 77, au secours. Il me reste combien? 4 clés. 4 clés en 9 minutes. Pierre Latte, Pierre Latte. Quoi ça, c'est une saveur Agendas? Toujours à 3 ici. 3. Toronto. À une lettre près, c'est comme le gars de Fast and Furious. En Toretto.
Liban. Is this the main account? Is not. Je crois vraiment j'ai un main account niveau 40 après une semaine de jeu. C'est mal me connaître. Enfin. Je viens de reroll Jiwoo, on est d'accord, je suis très bien. T'es très bien, ouais. T'es comme les mentions que mon petit frère il a à l'école, t'es très bien. De toute façon, avoir un reroll de SSR, c'est goldé déjà de base. Et si parmi les deux SSR, t'en as déjà un des deux de Gucci, forcément bien. Je crois que je vais pas poser le debuff. Et ouais, je vais pas poser le debuff. What's your time on Kargalgan? J'en ai marre, je l'appelle toujours Kar lui. Temps de passe. 1 minute 40. 30 seconds. That's my best time. It's my best time. But I don't... I didn't try hard more. Rang B, rang B, rang S. Allez, vas-y, ça va aller là. Il est 53, 3 clés. Si je mets 3 minutes par run... Je mettrai pas 3 minutes par run, normalement je suis dans les temps. Oh, tous les soirs, à chaque fois, vraiment, c'est à 1h50, je sais pas combien, je finis mes gates. J'avais dit où plus le mec au chapeau, j'ai oublié son nom et je reroll comme un con. Lim. Ouais, Lim, il est bien pour débloquer des tickets. Vu qu'il faut des perso hunter. Find who you die for, also you live for, nanana. Je trouve ici, il y a des gens, ils veulent pas dire où ils habitent parce qu'ils viennent de Meurthe-et-Moselle. C'est quoi Meurthe-et-Moselle? C'est une ville nulle? Ah mais ça me dit un truc, c'est dans la musique de Booba ça. Attendez, je vais vous mettre la musique. Il dit un an dans Meurthe-et-Moselle. Je la mettrai hier tout le week-end. Comme à Marseille, mon préféré, qu'est-ce que je vais faire de tout cette oseille? Cette oseille, faire de tout cette oseille. Ma question préférée, je vais faire de tout cette oseille. Moi et mes rayons, on part sur la lune. Tu vois, en Meurthe-et-Moselle.
J'ai pas utilisé mes spells dans le bon ordre. La République, monsieur le tuyau, monsieur l'agent, ce triangle sevrant, et le gilet fut haut. Le reste à rosseux. Les articles et en zizou dans les arrêts de jeu. Elle est dans la chambre, elle est sous les draps. De questions préférées, et je vais faire de tous deux. Si tu es ta mère là, si tu es, c'est sa grand-mère, pardon. Tu t'es lancé. Qu'est-ce que je vais faire de tout cet oser? Bon, il est 1h57, il me reste une gate à faire. On va essayer ça. J'ai envie de changer de musique là, mais j'ai pas le temps. Il est vulgaire hein, quand même ce rappeur là. Il emploie vraiment des mots choquants je trouve. Moi ça me sidère ce langage. Non respectueux. Il est 59. Oh putain, si je passe pas la gate first try, ça veut dire que j'ai perdu mes clés. Après, je vais plus pouvoir rentrer chez moi du coup. Ouais, mais Ray, on part sur la lune, amuse-toi bien, on heurte tes moseilles. Mets plus de jeu sur le yo-yo, mets plus de jeu sur le yo-yo. Bip, 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 bip. Vite, il est 1h59. Les gars, j'ai fini. Aïe, aïe, oui. 1h59, avant le reset. J'ai réussi à claquer toutes mes clés, je suis trop chaud. Let's go. Bonne année tout le monde. Ça y est, il est 2h du matin. J'ai pu récupérer tous les bonus de Ko. Attendez, c'est pas ça que je voulais mettre maintenant. Moi, j'écoute ça en ce moment. Il est trop bien, lui. Il est trop fort. C'est plus posé, quand même. Si j'arrive à retrouver. Ouais, château dans le ciel. Ah ouais, mais du coup, si je mets ça... Ah, fuck. Ah non, je peux pas faire ça, en fait, my bad. Je peux pas. Bon, tant pis, on va écouter mon amoureuse. Ouais, j'ai Jinchel dans la box, les gars. Voilà où Jinchel. Oui, les 5 tickets. Oui, la Death Dance. Oh, c'est tellement incroyable.
Ah ouais, tout ça là? C'est tu girlfriend. Ah. Va voir les draw. Les draw. Ok. I'm gonna check the draws. So I delete your number, pretend you don't exist. Tell myself I was nothing. Oh les gars, vous avez combien de battle power sur Sung? Niveau combien battle niveau combien et combien de battle power? Ah ouais. Effectivement. Elle est dans le rate up. Why not, why not? Si ça coûtait des tickets noirs, je l'aurais fait parce que c'est le seul perso que j'aimerais bien avoir dans ma box. Non, je peux finir le reverse en entier juste avec Ginchel. J'ai 2 millions niveau 80. Oui. 65, 76. 25 000, 38. 46, 36. 56, 65. 46, 50, 48, 54, 47, 40, 49, 50, 33, 17. Et niveau 33, 17 000 de battle power sur 5. 79 000 niveau 60, 75, 80, 105, 77. 76, 118, putain toi t'es bien. 80, 125, 5. On a. J'ai l'impression, Mirgo, c'est. On fait pareil. Genre Herman, Mirgo, Okes. Niveau 67. On est là, hein. Ouais, moi aussi, je suis là. Hein. Ok. Bon, avec tous les chiffres que j'ai lus, du coup, je sais plus ou moins situer le battle power par rapport au niveau. Après, à partir d'un certain level, c'est très dépendant des artefacts, si tu chattes dessus ou pas, mais... Ok. 77, 117... Ah oui, il y a Dig aussi. You think you're special to me. You think you can get under my skin. So don't, I don't feel the thing. I don't get anyone who can right now. Do you kiss your mother with a mouth like that? Ils veulent 43 000. Ok. Ça veut dire que je suis plus ou moins moi dans la moyenne. Bon, par contre je vais pouvoir monter les levels. Oui monsieur, oui monsieur. Yeah boy. What are my challenge? Clear instance dungeon 2 times. Ok, don't worry, be happy. On a Death Dance ici, on a Cutting Rush, on a tout ce qu'il faut. Ça retryhard, on avance dans les challenges. T'as combien de trophées sur le main? Je crois 1300 et quelques. Pas loin de 1400 ou je sais plus en vrai. J'ai pas encore farmé les trophées depuis. Là j'essaie juste de clear le content mais... Demain les gars je vais essayer de lancer le live plus tôt. Parce que je les lance trop tard en ce moment. Il y a relais lettres comme à la sortie. Ouais. J'ai galère trop au niveau stuff, toujours en full épique et ténacité, j'arrive pas à avoir un bon truc légendaire. Et putain, pourtant ça fait longtemps que tu joues toi. C'est une dinguerie là de pas avoir de chat depuis tout ce temps. Il saute.
Il qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout fait les patterns là. Après je vais avoir une ouverture sympa là. Je vais faire des buffs into mes bails. Alors ça, ça et ça. Parce que je sais qu'il me restait 5 secondes là de Shadow Step. Sur ce timing, on est bien sur le tir. Parfait. Perfecto. Comme ça, par contre, c'était pas prévu. Ah, pourquoi il se barre? Ça sert à rien ce qu'il fait. Et pourquoi il se rebarre? Oh, l'utilité de faire ça, c'est vraiment pour me buter. Hein. Nice. Pour vous aussi, les artefacts ténacité drop point, bon c'est sûrement juste une impression. En vrai, le set ténacité, c'est chiant pour tout le monde à dropper. Hein. Je pense que j'ai moins de set ténacité que autre chose. J'ai cru que j'allais avoir un nouveau bonus de co, j'allais faire wesh. Sont gentils là le jeu. J'ai avancé dans le temps, mon compte il passe des 8, il rattrape les gens. Il a l'air encore pas mal avec le système d'esquive des fois. Ouais mais après à force d'y jouer vous y habituerez le système d'esquive. Tout le monde au début a du mal parce que tu connais pas les patterns des mobs. Mais une fois que tu les connais après quelques centaines d'heures de jeu, c'est automatique, pas comme les antibiotiques. Oh, il y a un nouveau Battlefield of Time, du coup. Ah oui, le son, pardon, désolé Spotify, j'avais pas vu. Oh, vous aimez pas le son de la meuf qui y passe, là? De la fille qui passe? Vous aimez pas sa voix angélique? Alors que je l'écoute tous les jours. Je me demande j'ai combien de minutes d'écoute de elle. Je l'écoute tous les jours depuis un an. Plus maintenant je crois. Faut arrêter les jeux de mots. Ouais faut que j'arrête les jeux de mots je crois. Je pense que c'est pas fait pour moi. Faut pas que je lâche solo leveling quoi.
C'est juste qu'on veut mieux entendre ta douce voix. Et du coup, là, vous l'entendez mieux. Je pense que le jeu il va durer combien de temps avant d'être finito, des mois ou des années? Je sais pas. J'en ai aucune idée, gros. Comment vous voulez que je sache ce genre de choses? Je suis pas devin, je suis pas développeur, je suis pas dans le futur. Clear dungeon breaks one time. Ok, alors on va clear du dungeon break one time. C'est-à-dire que je peux pas sweeper, quoi. Ça tombe bien, celui-là, il est... Ouah, mais celui-là, il est terrible, en vrai. Hein. Il a la bonne affinité, mais il a des patterns de gros cons, genre. FF7, je kiffe le gacha, mais malheureusement, trop lent, on peut pas skip et trouver des joueurs en coop, y'a jamais personne. Dommage. Pourtant, c'est FF. Vive Square Enix au passage, vive FF7 aussi. Crisis Core. One Punch Man World a tenu moins d'un mois MDR quand j'y repense. Force. Tout dépend de l'oseille qu'ils font avec, vu le démarrage et le buzz de la licence, il y a de grandes chances que ça dure. Après, moi pour vous donner mon avis honnête, j'ai envie de dire c'est normal, encore heureux que le jeu il marche bien. Genre il y a eu la propagande de l'anime, c'est Netmarble qui gère. Il y a toutes les conditions réunies, c'est un bon gacha. Donc en vrai, le start, il pouvait pas le louper, tu vois. Tu sais, si un jeu, il est bien à partir de... quelques mois plus tard. Si dans 6 mois, le jeu, les gens continuent de jouer et... que les développeurs, ils font pas de la D. Normalement, c'est que le jeu, il est parti pour durer un minimum. Et c'est déjà le cas parce que ils ont une roadmap du content qui va arriver dans le futur. Moi, je mise sur le fait que le jeu, il va durer dans le temps. Il va peut-être pas durer genre 6 ans, tu vois, mais... jusqu'à la première année, le jeu, il va être trop bien. Ouais, le jeu il joue clavier souris. Juste que Netmarble fasse pas de la merde ou qu'ils abandonnent le jeu quand MHA se trongrest. Après, il y avait des problèmes dans MHA en vrai, je trouve. Moi j'y avais joué un petit peu, mais les packs ils étaient chers, le gameplay il était pas si ouf que ça. Genre. Il a rien à voir avec solo leveling le gacha actuel. Develop Jinwoo skill 12 time. Hop là. On dépense les ressources que quand c'est demandé, pas avant. Encore mission 5 times. J'ai 6 clés, ça tombe très très bien. Ça va continuer de farmer l'araignée gypsy. On va lui faire mordre la poussière. Réputation 7. 667. Tu vois pourquoi j'ai trop d'énergie aujourd'hui? Je crois que c'est parce qu'il pleut dehors. Le fait qu'il pleut dehors, en plus je l'ai dit, j'ai un buff. Il y
Il y a un monde en vérité où... Peut-être... Je joue Jin-Ho à la place de Ji-Woo sur l'araignée. Et que je vais pouvoir break plus vite. Je vais optimiser mes dégâts dessus. Le jeu il doit me détester à cliquer aussi vite. Ouais, non, je pense pas que ça soit une meilleure idée. Non, on va rester comme ça. Ouais, celui-là, c'est le compte free-to-play. Ça me fume que Dokkan fête déjà ses 9 ans, j'y étais. J1, ça date. Cette Marble, ils vont s'occuper de jeu jusqu'à Seven Deadly Sins Origins et hop, ce sera plus leur bébé. Il sort quand, Seven Deadly Sins? Que dans un sens t'as pas si tort que ça hein. Le fait qu'ils veulent gérer deux gros jeux, surtout que Seven Deadly Sins ils le respectent beaucoup. Peut-être pas délaisser solo leveling non plus, mais le fait de devoir s'occuper de deux gachas en même temps, c'est pas simple. Hein. Oh, s'il te plaît, ne monte pas. L'araignée gypsy, si tu montes pas, t'es une reine. Une reine, cette araignée. Oh non, elle a la régène. Je joue plus du tout à Dokkan même off. Non. Faudrait que je me connecte au moins pour les bonus de Ko. Mais même ça, je le fais pas parce que j'ai dû installer... J'ai dû installer solo leveling, du coup j'avais plus de place sur mon tel. Putain, mais je vais pas le passer ça. Je vais reprendre. En soi, ça sera une autre équipe, donc si on aura toujours la malle sur SL1. Je sais pas, ils sont combien dans les locaux à gérer. On a pas la date pour Seven Deadly Sins Origins, mais ça doit être la même année. Bah, normalement, il me semble que c'était même censé sortir avant. Hein. Ah non, 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 je crois que c'était solo leveling qui était prévu first. Je dis de la D. Ok, j'ai mis le bid. C'était close, hein. Was really close. Grâce à Chae, je passe l'araignée niveau 9 avec seulement 150... Non, mais l'araignée, si t'as Chae, ça veut... L'event, il veut rien dire, genre. Vraiment, c'est une folie à quel point la difficulté, elle est inexistante. C'est le coulteur ultime de l'araignée, Chae. Can I switch? Il reste 11 petites barres de vie. C'est un Deadly Sins Origins, monde ouvert prévu. Pour moi, les deux, ils ont rien à voir. Ouais. Mais c'est dommage qu'ils s'investissent autant pour une licence aussi merdique en vrai.
C'est peut-être méchant ce que je dis, mais en vrai, Seven Deadly Sins, on s'en bat les couilles, genre. Il y a tellement de jeux mobiles, ils mériteraient plus de respect. Je m'en bats les couilles de Seven Deadly Sins 6. Genre, Seven Deadly Sins, le jeu auquel je jouais le Grand Cross, au bout de quelques temps, c'était pas la licence qui me faisait tenir le jeu, c'est parce que le jeu, il était trop bien. C'est la licence qui m'a fait quitter le jeu, même. Ouh. Que de la merde. Je me tâte à invoquer sur Emma, j'ai déjà essayé 5 et j'ai pas Emma. C'était cash player. Tu m'as chauffé, j'ai commencé le jeu, je focus quoi sur les premiers tirages? Chae. Et dans l'autre bannière, Jiwoo, Emma, Katana et les dagues. On a le même early que tout à l'heure. Et comment pour stacker autant de gold? C'est une folie. Comment la ressource part giga vite? Tout ce que je fais sur mon compte free to play, c'est sur les rediffs et. En fait, j'ai jamais dépensé de gold. Sauf quand le jeu il le demandait, quoi, dans les challenges. Sinon, bah, je stack. Ça sert à rien de dépenser ses gold si le jeu il te le demande pas. Là, je suis arrivé jusqu'au niveau 40. Je t'avoue. Du moment. En fait. Ça, je l'avais dit dans ma vidéo guide débutant, il faut pas dépenser ses ressources tant que t'en as pas la nécessité. Tant que t'arrives à avancer dans le jeu, dépense pas de ressources, ça sert à rien. C'est si t'es stuck, si t'es bloqué, si tu vois que tu manques de dégâts ou quoi. Là ouais, t'améliores tes artefacts, tu montes tes skills, tu montes tes armes. Mais sinon... pas utile. Ah, fuck. Putain, si j'arrive à le break là, c'est incroyable. Oh non, elle va régène! Oh putain! Baroka en hard, c'est chaud. Bof, en vrai. C'est plus dur qu'en normal. Mais Baroka, il est pas très compliqué, je trouve. Baroka, faut... il a des timings et ils sont facilement esquivables, en vérité. Bonne nuit à ceux qui vont se coucher. Demain, je vais essayer de lancer un stream plus tôt, moi. En fait, ce que je vais faire là, c'est après mon stream, je vais continuer de bosser.
Comme ça, quand je me lève, bah, je suis pas pris de court par le temps s'il y a des soucis ou quoi. Faut que je fasse encore une run, c'est ça? Eh ouais. Bon. Baruka, il y a une phase invincible. Inesquivable quand il tombe du ciel ou c'est moi qui suis nul? En vrai, elle est esquivable, mais elle est trop compliquée à réaliser. Le timing d'esquive, il faut limite qu'il soit parfait. Du coup, c'est un peu chiant. Sinon, tu peux mettre tes shadows. Quand tu mets tes shadows, normalement, tu peux esquiver le truc d'invincibilité. Si t'as le multi-strike dark, tu peux aussi l'esquiver. Parce que du coup, pendant le multi-strike dark, t'as 3 secondes d'invincibilité. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'avais tryhard pour essayer de l'esquiver tout le temps. Mais l'attaque, c'est d'être au centre de la map et appuyer sur son dash 3 secondes. 3 secondes après le fin. Ah, j'ai la flemme d'expliquer. Désolé. Mais utilise les shadows, tu verras, c'est sympa. Ça va, j'ai mis le bleed. Juste, il a 37 vies. C'est mini cinématique, c'est pour ça que je me demandais. Ouais, ouais, mais pendant la cinématique, en gros, il s'écoule un peu moins de 4 secondes. Je crois que t'as 3 secondes 80 ou 90. Et genre, si tu fais 1, 2, 3 dans ta tête et que t'esquives, ou qu'à partir de 3 secondes, tu commences à esquiver, plusieurs fois, il faut les 3 dash. Il y a un monde où si tu chattes, tu peux, quoi, mais... Putain, j'ai pas mis le débit. Plus de la chance qu'autre chose, hein, parce que tu le réussis pas à 100% le truc, tu le fais. Faut back plus 5 pour esquiver Baruka. Non, en vrai c'est une question de timing, mais c'est, je l'ai dit, pour moi c'est plus de la chatte. Hein. Après, le mieux, c'est d'utiliser les shadows. Au moins, là, tu te casses pas la tête quand tu le fais. Avec les shadows, c'est tranquille. Ah oui. Faut que ça crie pas. Je viens de monter ses 50 sur l'aglo, mais le mode reverse a disparu du mode histoire. Est-ce que c'est normal? Je sais pas quand est-ce qu'il apparaît le mode reverse. Salut Licha. On pas pourquoi on a la shadow de Baruka dans le jeu alors que dans le manon on l'a pas la. Dans le webtoon on l'a pas la l'ombre de Baruka. C'est pour ça que Sun quand il revient du portail il est vénère. Mais le jeu il suit pas forcément tout le temps, enfin. Là du coup c'est un truc qui est que sur le jeu, mais. Ils ont dit de toute façon qu'ils feraient des histoires un peu exclusives pour se focus sur certains hunters. Aller avoir des persos qui n'existent pas non plus dans le webtoon. Ils sont obligés de faire ça parce que Solo Leveling, c'est pas une licence qui dure très très longtemps, il y a que un peu plus de 200 chapitres. Et ils ont prévu genre 6-7 saisons là pour l'instant. C'est pas Naruto, c'est pas One Piece, pas Dragon Ball, c'est beaucoup plus court. Donc forcément, s'ils veulent faire durer le jeu dans le temps, il faut créer du contenu qui n'existe pas dedans. Alors... Mmh.
Claim Activity Found. Et encore à plus de 200 chapitres, mais après le 178, c'est une nouvelle histoire. Waouh. Ça, ils vont le mettre dans l'animé. Enfin, ils vont peut-être... J'en sais rien s'ils comptent l'adapter en animé, mais ce serait con de pas le faire. Mais ça, de toute façon, ça va beaucoup à ce moment-là, même si ça sera dans très 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 longtemps, même pas l'année prochaine, mais beaucoup plus loin. Ça, quand ça va arriver sur Solo Leveling, vers la fin, ça va être une folie, vraiment. J'ai tellement hâte. Ça va être une dinguerie. Tiens, faut lui mettre ténacité exécuteur. Ténacité, concentration of firepower, je dirais plutôt. J'aime bien avancer dans mes missions, mais j'aimerais bien pouvoir farm. Parce que depuis tout à l'heure, je farm que des artefacts, j'en ai pas des fous. Et en plus, même si je les first try, je trouve que c'est long, genre. J'augmente de level, là. Je me focus sur la story, comme ça je pourrais farmer les tiers au-dessus et tout. Ce sera plus opti. Pour être plus rapide sur les tiers actuels. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance, hein. Vraiment, sur le free-to-play, les dice, c'est une folie. Vas-y, go avancer dans la story mode. Ah putain, j'ai les archives d'Hunter. Autant prendre ça. C'est pas la meilleure Blessing Stone du monde, mais bon. Vu que je meurs rarement dans mes runs. Après, le karma, à chaque fois que je dis un truc, il est très puissant. Je trouve que je vais mourir ici, je vais avoir le seum. C'est vraiment trop bien, les gars, de jouer en free to play et... à partir de 2h du matin. Genre, tous les soirs, je me connecte vers 1h et vu qu'il y a le reset, je suis pas en manque d'XP, je suis pas stuck. En vrai, il faudrait que j'y aille plus tôt, mais bon. J'ai cru qu'à cause du mur, j'allais pas pouvoir toucher, j'allais avoir trop le seum. Chae va aller sur la perma aussi. Ça m'étonnerait qu'un perso comme Chae soit dans la perma. Après, on sait pas. Hein. Hop, ils me font craquer les deux loups feu glace qui switch. C'est un bug. Celui de feu revient pas si je tue celui de glace. Du coup, il n'y a plus de boss et le temps se finit. C'est juste qu'il faut avoir. Faut les tuer en fait avant qu'ils puissent ne plus revenir. Je pensais les avoir tous touchés. Des fois faut pas les kill trop vite pour laisser le script se faire. Les tuer trop vite c'est pas grave, mais les tuer pas assez rapidement, je crois que c'est ça qui fait bugger surtout. Putain, j'avais trop de dégâts. Oh, je suis un enculé. Après, il y a un boss après ?
trouve, il n'y a même pas de boss là. Ici. J'aurais dû attendre le au retour de mes CDI. Mais j'aurais dû attendre aussi le. Putain, je fais de la merde. Allez, encore un peu. Juste pour finir en légende. Si je laisse le glace vivant, ça fonctionne, mais si je tue la glace, ça bug alors qu'il reste une bonne minute. Toi, si tu burst trop, le gars se barre, revient après et repart direct. Ouais, moi, c'est ce que ça fait. Tous les jours sur mon main, je le fais, ce truc. Le dernier trainer job avec Igri, c'est dur, what the fuck. Pour débloquer le skin cyber, ouais, y en a beaucoup qui galèrent dessus. Je dois avoir tellement d'XP à récupérer dans le story mode en vérité là. Ils m'ont donné Vulcan, je l'ai C2. Mago l'a joué, hein. On sait qui sera le prochain SSR. C'est Alicia. Ah merde, wow. Ça me le fait que quand je joue avec Moon Shadow, ça. Je cancel comme un connard. Oh putain, j'avais pas vu la tornade. Chier la tornade quand même. Un monde où ici je peux crever. Tout ça parce que j'ai pas pris la bonne blessing du coup. Ça va. Faudrait que Jiwoo en fait elle break, mais je crois qu'elle a pas break. Je vais tempo la run en vrai. Si je break c'est GG. Ah, attends. 8. Je suis pas pressé par le temps de toute façon. Nice.
Je viens de passer 80, 105 BP sur 5 avec 30 balles mises dans le jeu, je trouve ça faiblard. Ah ouais, moi ce qui me choque c'est qu'il soit déjà 80. Hein. Avec 30 balles dans le jeu niveau 80, c'est bien. Hein. Après 105 000 de Battle Power, c'est juste les artefacts ça. Merci pour les follow. C'est merde les gars. Yes. Je vais quand même remettre la Blessing Stone Revive en vrai. Parce que je suis pas très confiant en fait. Je vais me sauver la vie. Non. 3 secondes où je peux faire un max de dégâts. Juste un petit shadow step. Into un cutting rush pour revenir là. Et normalement on est bien. Ah, il n'y avait pas le debuff de mine. J'avais pas. En vrai j'aurais attendu 3 secondes de plus. Mais j'étais Gucci. Let's go. On avance bien quand même sur le free to play. Bon, j'arrive pas à avoir tous les trophées et tout. C'est à partir du niveau 40 combien qu'on bloque en XP en free to play? 44? Ou plus, 49? Si vraiment je démarrais mes streams plus tôt, en vrai, le compte free to play, je le rush de fou. Ah, je crois que cette gate, cet événement, je me souviens, je l'avais fait il y a un mois et demi. Et elle est trop nulle. Alors elle est simple à faire, juste faut traverser des ponts, je crois. Ouais, c'est ça, il y a un pont à traverser. Jusqu'à 51, ok. Ça veut dire là sur le free to play, du moment que je suis pas encore arrivé 48, je vais pas trop stuck en XP. Impossible de les louper normalement. Un bouffon sérieux. J'ai hâte d'avoir le cutting rush la variante 2. Comme ça sera comme sur mon main, je pourrai avoir masse dégâts crit. Après je crois que j'ai pas beaucoup de dégâts crit sur 5 en vrai. Vu que je suis qu'en early, j'ai pas beaucoup de dégâts crit et j'ai même pas beaucoup de taux crit surtout.
Non, on peut ne pas payer pour level up. C'est juste que si tu payes, forcément tu vas progresser beaucoup plus vite en free to play. Atteindre 45, puis tu bloques à chaque palier de quête. Ah, c'est dur. En vrai, je suis un peu déçu qu'il fasse des portails temporaires. Ça, c'est une bonne nouvelle, mais qu'il les fasse avec des tickets premium, c'est nul en vrai. Ils auraient dû les faire avec les tickets noirs. Là, ça se discuterait. Parce que là, la vérité, ça donne pas envie d'invoquer. Genre, entre Chae et Emma. Je jure, la question, elle est vite répondue. Hein. J'ai utilisé mes shadows. Pas debuff depuis 10 ans et demi. Celui-là de level, je m'en souviens sur mon compte, à l'ancienne. J'avais galéré pour le tuer deux fois. Et avec les hunters aussi. Hein. Même quête avec les hunters là. Je vais faire trop mal. Là, j'ai tout optimisé le combo. Avec Plume Flower derrière. Là, quand tu fais tes bonnes rotations de combo, c'est une folie ce que tu peux taper. Ah, c'est peut-être pas au niveau du timing pour le réussir, mais au niveau du timing pour les trophées où j'avais galéré. What level are you on? 42. Je suis niveau 37 et je me retrouve toujours à devoir attendre avant de continuer les chapitres, les seuls que je trouve un peu chiant, sinon le jeu est top. Tu sais qu'il y a un mode hard ou pas? Un mode hard plus derrière avec les gates, tu récupères de l'XP si tu les fais tous les jours. J'ai jamais été bloqué en XP depuis que j'ai commencé sur le free to play moi. What's the game? Farming Simulator 2. Activer mes shadows trop tôt. Putain, je suis un connard. Hein. Et ouais, putain. C'est vraiment une merde. Let's go.
7 de dégâts déjà. Truck Simulator is currently driving in Brooklyn. Yeah. C'est moi. Ok, on est passé 43. On a bien avancé dans les chapitres là. Mais il est déjà 3 heures. Peut-être que à partir du prochain chapitre, il va falloir que je monte mon battle power. Là, il va falloir que je monte un peu mes artefacts, à mon avis aussi. Ça va commencer à être léger sinon. Bon, je vais reformer ça, comme ça on avance dans les missions. Seven, which widow do you recommend improving first? I personally upgrade Blade, but Igris is good too. Ça va quoi, Yukio? En détente. C'est mieux la foule, les dagues sur Sung. Je préfère les dagues perso. Je me suis fail sur l'ordre des combos à utiliser là, je fais de la merde. Bon, ça m'empêche pas de détruire la game par contre, mais... Je crois que j'ai eu la même run tout à l'heure, juste pareil, quelques secondes près, il manquait le... Moon Shadow. Putain, dans ma tête, ça arrive pas à rentrer, hein, le fait qu'il faut que j'utilise d'abord Death Dance avant. Disparaître avec deux barres de vie, c'est vrai, je comprends. Toujours je comprends pas. Tu se casses pas les couilles et fais comme tout le monde, genre meurs. J'ai même pas les bons timings. Mm. 331 000 ultis.
Avec les dégâts. Pas Toto. Oh, comme il est moche l'arrière-plan. Oh, alors ça c'est direct sur Sung. Alors ça, mon pote. Tous les jours ça va sur lui. Maintenant, tout de suite, même pas je réfléchis. Ah, si je réfléchis, parce qu'il y a des artefacts que je vais devoir monter, je suis sûr. Ouais, des artefacts. Après, il y en a déjà 18 de compter. Donc, vu qu'ils sont déjà comptés, est-ce que si je le monte 10, ça va changer? Je vais tester. Crit damage et on est en... Oh, c'est bien. Waouh. Ok, c'est parfait. On a bientôt fini du coup ce côté du challenge. J'ai eu trop de chance sur cet artefact. Super, j'ai un autre expert quelque part. C'est un item rare, mais vas-y, dark damage, critical lead damage, j'suis obligé de le mettre. Je vais le monter un tout petit peu aussi, histoire de... C'est un peu du gâchis de faire ça, mais bon. Ouais, c'est complètement du gâchis. Hein. J'aurais jamais dû le faire. Premier mistake de mon compte free to play. J'ai dépensé des gold pour un item qui pue sa grand-mère. Bon, faut que je refasse encore ça. Même si son stuff il pue. Je pense que je vais quand même le passer plus 15, hein, tout ce truc. Ah ouais, mais j'ai que ça? Ah ouais, non. J'ai 2000 marteaux, c'est très bien. Après, je peux les switcher. Je peux convertir mes marteaux en level 2. Pas si j'ai beaucoup de ressources pour monter mes weapons. Ouais, j'en ai assez pour pouvoir monter une arme 60. Enfin, pour pouvoir débloquer jusqu'au niveau 60. Je crois que j'ai pas assez de fuel d'XP après. Relou le katana avec deux persos et serres imposées sont immondes. Oui, c'est vrai. Et encore, c'est mieux qu'à l'early access, parce qu'à l'early access, t'avais les tiens et pas ceux du jeu. C'est encore pire. Killer.
Je pense que c'est une des runs les plus propres que j'ai faites sur le Lican, sur ce compte. J'ai réussi à le tuer avant qu'il se barre. J'ai quasiment pas fait de misplay. Voire j'en ai pas fait en fait. Ouais, je suis sur une run parfaite là. Celle-là, elle mérite d'être record carrément, elle était cool. Incroyable cette run. Ça fonctionne bien pourtant en ce moment niveau boulot depuis la release de la Glo. Bah, si vous squattez les streams en vrai. Ouais, ça se passe bien sur. À peu près tout. Hein. YouTube, Twitch. Juste mon rythme IRL qui pue sa mère, mais sinon. Sinon, on est là. Hein. Tintin 500 viewers à 3h du mat, c'est propre. En vrai, moi je suis choqué quand même du nombre de gens qu'on est en ce moment tous les soirs sur le jeu. Mais comme je l'ai dit, ça va baisser d'ici la semaine prochaine. On sera à mon avis beaucoup moins nombreux. Mais c'est pas très grave en soi. Moi, du moment que je continue de jouer au jeu et que je kiffe. C'est par période les pics de viewers, parce que là le jeu il est récent, du coup il y en a beaucoup qui jouent, il y en a beaucoup qui se butent. Oh, il est allé tellement vite. Oh, il va se barrer avant, je pense. Ah, quoique. Il cutting rush et rocks. Putain. Oh, vas-y. J'ai OLP, c'est reroll fuck la masse Vulcan, zéro avenir. Mais gros, pourquoi tous les soirs tu fais des rerolls toi? Tu veux pas jouer à un moment donné au jeu? Ça, les gros tryharders comme nous resteront fidèles. Ouais, ou les gens attachés à la licence en vrai. Désolé de demander ça, mais tu mets quel bijou sur Emma et Chae? Concentration of Firepower sur les deux. Je joue, mais gros, j'ai l'impression que tous les soirs t'as un nouveau compte, je t'entends reroll.
des gates. Pam 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 pam. Je voulais roll quand je drop la Demon King Sword, mais flemme. Déjà niveau 23 et chapitre plus commun. En vrai, reroll c'est toujours bien. Parce qu'au début du jeu, vu que le jeu il est facile. Même les armes SR te permettent d'avancer dans les premiers chapitres. Mais plus t'avances, plus tu vas regretter de pas avoir eu un reroll assez correct. Que tu vas stack. Sauf si tu chattes sur les invocations, là c'est pas pareil. Mais... Ah, abuse des dégâts. J'ai tellement pas hâte de l'arc j'ai joué. Déjà les fourmis ça pue sa grand-mère dans le jeu, mais alors qu'on va devoir toutes les affronter dans tous les chapitres en hard en reverse, dans les gates ils vont en avoir encore plus. Pleurer du sang. Allez, allez, il faudrait m'attaquer à un moment donné. Merci. Allez, let's go. J'aime de repasser 5 jours de suite si j'ai heureux, c'est juste pour ne pas claquer toutes mes pierres car j'ai plus de pierres. Après, si tu joues en free to play, vraiment, sur le long terme. Ouais. Sur le long terme, vraiment, c'est mieux de commencer avec un bon truc. Vaut mieux recommencer sa progression à zéro mais avoir un bon starter plutôt que commencer avec un truc moyen et être bloqué après. Et finir par recommencer du coup. Après c'est mon avis. J'ai reroll une fois et du coup là niveau 37 j'ai mal orange, chat EC1, fleur de prunier C2 et tueuse de loup. Ça va. Ça en vrai c'est un des seuls trucs que j'aurais bien aimé avoir. Ni sur mon main ni sur mon free to play je l'ai. C'est des doublons sur le pistolet. Sur mon compte free to play, j'aurais bien voulu reroll pistolet et jouer avec. C'est le seul gameplay que j'ai pas testé avec les armes SSR de Sung. Même la masse, je l'avais joué un peu. Mais cette arme, elle est cool en plus. Mais ça m'aurait permis d'avoir un gameplay différent aussi comparé à mon main. Après ça va, je joue quand même différemment parce que j'ai Moon Shadow à la place de la faux ici, mais... C'est mieux d'avoir une arme 5 étoiles ou une SSR 0 étoile, ça dépend laquelle. Aïe. Oh, doucement frère. Ma cancel. N'a pas mis le debuff. La masse est la pire arme du jeu, on dirait Jinchul. Ouais, si Jinchul il devait être une arme, ça serait Vulcan là dans le jeu. C'est sûr, mec. C'est abusé comment il sert à rien, Jinchul. Alors que pourtant il est respecté dans le webtoon. Pire drop où j'ai eu vraiment, c'est quand je droppais l'arme de Vulcan sur mon main.
Moi j'en ai eu des. Mais j'ai 3 doublons je crois sur Vulcan, hein, sur mon main. Je l'ai droppé beaucoup. Le pire je crois c'est quand je l'ai droppé dans des coffres. 0,1% d'avoir une des armes SSR de Sung et il a fallu que ce soit Vulcan. J'avais le démon. J'ai le snipe 80, c'est 5 quel poulet. Non, le sniper c'est vraiment trop cheaté. Le sniper, tu le drops plusieurs fois, c'est abusé comment il est broken. La seule arme du jeu qui rivalise avec des SSR, voire qui est plus forte que des armes SSR. Après, le gameplay il me plaît pas trop, je vous avoue, du sniper. Je suis pas trop fan. Pourquoi tu ignores les portails rouges ou autre? Non, je les ignore pas, il y en avait un de portail rouge. S'il y en avait un et que je les skip, c'est que je l'ai pas vu. J'ignore pas les portails rouges. Les portails rouges, c'est les meilleurs portails à faire, que ce soit de rang S ou de rang B. Les rewards que tu drops dedans, elles sont trop intéressantes. Faut pas passer à côté. Après sur le free to play, putain, va te faire enculer. Je tryhard moins que sur le main forcément. Ouais, il me casse les couilles ce mob vraiment. J'en peux plus. C'est marrant comment dans ce jeu, les niveaux de timing ils sont pas arrondis. Genre t'as un peu moins de 3 secondes pour pouvoir réutiliser ton shadow step après une esquive. Baruka t'as moins de 4 secondes, t'as 3,80 et quelques. Ils arrondissent rien. Merci Waymos pour le prime. Cimera. J'essaie de comprendre ton choix de portail même si t'en as parlé en vidéo. Ouais, non, là, c'est juste, je me prends pas la tête. Après, je vise aussi les ressources. Tu vois, ça, jamais je le fais pas. Ça, tous les jours, je le fais. Mais là, je me prends pas trop la tête. Encore mission 10 times. Va falloir aller dans le shop acheter les deux clés, mais je crois que j'en ai même pas assez. La tristesse, ça c'est parce que je ferme pas mes gates. Enfin, que je les mine pas surtout. Où ça fait que je suis en manque de ressources là. C'est con en vrai. Que pour être opti sur le free to play, faudrait minimum acheter les 4 clés dispo dans le shop tous les jours. C'est possible. Oh, 30 powders. Oh, peut-être que je peux m'en crafter une du coup. Oh, si je peux m'en crafter une, la folie.
Ah non, j'en ai que 30. Par contre, ça, on peut le faire et on va le faire. Cutting Rush. Oh, Death Dance variante, mais... Pas des variantes qui vont m'intéresser. Celle que je veux le plus, c'est celle que j'ai pas unlock, comme par hasard. Après, ça m'a augmenté le level de la rune, donc ça va. Bon, on va essayer de passer ça. Je pense en vrai, ça devrait pas être compliqué, mais bon. Change quelque chose niveau reward quand on sweep les gates au lieu de les faire manuellement. C'est pareil. Vous gagnez du temps. Bon, bah c'est bon, la mission elle est bien. Je suis dispo. Tu pourras montrer ta Libora. Ma Libora, elle a le stuff de mon ancien. Elle a mon ancien stuff de Sung. Du coup, elle est en ténacité. Et en expert. Avec 3 doublons. Aucun skill monté. Et elle est environ à 70 000 de battle power. La mage d'arc, son stuff, c'est bien ténacité, exécu. Mais en vrai, ouais. Ouais, c'est ça. Après, moi, je la joue jamais. Hein. Je la joue que en support pour Sung. En tant que Hunter, j'en ai jamais besoin. Ah, c'est un gameplay, il est propre celui-là. Il est bien tryhard ce gameplay. Je me demande combien de tickets on a. Parce que pour aller jusqu'à la prochaine pity, ça va être long. Hein. Oh, j'ai débloqué des nouveaux artefacts. Oh oui. Oh oui. Oui, je vais pouvoir mettre des full sets. Oh, mais mes persos, ils vont beaucoup stonks. En plus, je vais pouvoir taper Igris maintenant. Plutôt que ces licans de merde, là. En vrai, elle tape Hunter Dark. Elle a des dégâts, ouais. Mais bon. J'avoue, je l'ai jamais joué en mode sérieux. Il y a mieux, même si elle est pas mauvaise. C'est pareil que Lim au final. Hein. Lim, son ulti, il est broken aussi, mais pas pour autant que je le joue. C'est pas des personnages nuls, c'est juste des personnages. Il y a mieux. Oh non, comme par hasard, j'ai pas de clé d'instance. Là, j'ai envie de pleurer. Non, c'est trop triste de pas avoir clé d'instance là. Chiche. Réputation 8, je vais augmenter le nombre max de clés. Je vais augmenter pour mes gates. J'ai envie de refile rien que pour ça. Après, je vais en avoir deux après. Je check mes challenges. Ça c'est fait. Ça c'est bientôt. La fou, on va la débloquer aussi. Clear encore mission 3 times. C'est pas par rapport à ça, c'est par rapport au. Ouais, voilà ça. Et ouais, en fait, les artefacts, je peux pas encore les monter. Faut que j'attende d'être dans le chapitre 9 pour obtenir. J'ai beaucoup formé l'araignée, je pense qu'on va switch sur Cerber un peu. C'est même pas pour être opti, c'est juste j'ai envie de former autre chose que l'araignée. Bonne nuit à ceux qui vont se coucher.
L'ours du boss, chapitre 10 en hard, il a trop d'HP sa mère. Ouais, j'étais bloqué aussi. Trop mal. Il fait pas mal, mais... Je me souviens que c'était pas facile. Je retry plusieurs fois avant d'y arriver. Bah oui. À quoi ça sert sinon? Bah oui, deux fois d'affilée je crie pas. Et sert à quoi là, Chai, si tu crie pas aussi? Bien de farmer Cerber. Genre j'en avais trop marre de farmer l'araignée. C'est détente Cerber. Ça pue ça. Ça je reconnais, c'est nul ça. De quel niveau de réputation tu récupères 6 clés pour farmer les artefacts? Je m'en souviens plus. Je sais qu'à partir du réputation, de la réputation 18, tu peux plus monter tes nombres de clés max. Et je sais qu'à chaque niveau de... En vrai, tu peux le calculer. Quand tu montes un niveau de réputation, ça t'augmente un niveau max de clés. Et ça fait... Dans les aiguilles d'une montre. Alors c'est Gate, encore Mission, Instant Dungeon, Gate, encore Mission, Instant Dungeon. C'est quel truc là? Faudrait que j'en achète une. Vas-y go. Est-ce qu'on doit farmer les artefacts? Du coup, je suis au chapitre 8. Voilà. En vrai, je pense qu'avec les artefacts que le jeu y donne, tu peux déjà te démerder un peu avec. Hein. J'ai pas cherché à avoir des artefacts optiques pour l'instant. Là, je complète juste les challenges le maximum possible. Après, en fait, tu peux commencer à farmer des artefacts quand tu vois que tu commences à bloquer. Pas crit hein, Chai sur Cerber, c'est un truc de fou. Ouais. En plus, l'ulti est parti dans le vent, j'ai envie de moisir.
go. Ulti d'un loin, c'est la pire sensation. Hein. J'en peux plus, moi, de mettre des ultis d'un loin dans ce jeu. Les timings d'invincibilité, là, de certains mobs. C'est trop... Niveau 49, je commence à voir je manque de dommages pour avancer. Après, normalement, les artefacts, tu les farmes tous les jours, en soi. Tu farmes tous les jours les artefacts et dans le tier le plus haut possible. Et t'essayes de focus que tu nids dans Prio. Je m'achète une clé, là. J'ai besoin de 60 cristaux. Si seulement je minais plus rapidement. Instance Dungeon. Sinon au pire je claque 150 cristaux et nique sa mère. Hein. J'ai envie de jouer là sur le main, sur le free to play. J'ai trop envie de jouer. 150 cristaux pour continuer de jouer, ça me va. J'ai 3 heures. Putain, il passe trop vite. S'il te plaît, me fais pas flop. Let's go. Pas fait semi-flop, ça va. En plus, j'ai eu un crit derrière. Des bons artefacts. Je devrais, je pense, essayer de faire le tier au-dessus. Là. J'ai dit où, je fais que du tier 3. Ouais, en plus, j'ai les 3 étoiles ici. Cerber, qu'on n'a pas dit où. Nam Cheyang. Chae aussi, elle aide bien. Un perso qui break aussi. Jin Ho, il break fort. Je vais enfin pouvoir faire Ygris. Quel bonheur. Oh, lui, il va être très sympathique. Hein. Je vous jure, il m'a trop manqué, Ygris. Ça fait trop longtemps que je l'ai pas farmé. Heureux de le voir là. Sur mon main, ça fait bientôt une semaine j'ai pas fait d'event sur lui. Ce bon vieux rouge. Je fais Cerber en tier 6 avec Chae, Jiwoo et Min. Tier 7. Après, moi je suis pas au level comme toi, je pense. I want to collect the award and came in fifth place. That's okay. You are in the top 10. Sang sang isang ro sang jok hyeon neuri gun.
J'ai l'impression que le tier 2 il était plus facile que le tier 1, c'est normal ça? Concentration of firepower. Il est in. Je disais Jiwoo c'est la god sur Cerber. Ouais, y'a pas mieux que Jiwoo sur Cerber. Hein. Elle a tout pour pouvoir counter Cerber. Elle break son shield, elle a l'affinité. Elle est bien équipée. Oh, regardez le vilain mine déjà en full set. En plus, crit damage en substat. Ça nous régale ça. Je fais combien? 7 sur 10. Je vais prendre mes 3 clés, vas-y, nique sa mère. Aujourd'hui, j'ai dépensé 300 cristaux sur le compte free to play, mais aucun regret. Je pense que je suis encore plus rapide si je ramène pas de chai. Pas plus satisfaisant que farmer gris, je pense. Hein. Pour dropper des clés, pour dropper des artefacts. C'est trop le meilleur event. Putain, pourquoi il se barre maintenant? Oh, j'ai la flemme d'aller à lui. Ciao Romain, bonne nuit. Buenas noches. Oh, pour Jiwoo. Comment on sait quels sont les meilleurs items pour chaque perso? En jouant, hein. Et en testant, et en réfléchissant, et... tout ça, quoi. Pardon, Igris. M'excuse. Igris qui tape Igris. Wow, ma daily quest m'a bien sauvé là. Je
du LT sans le Shadow Step. Parce que vu qu'il est dans l'effet Moon Shadow là, il bouge pas en fait. Et non, je suis devant toi, frérot. Et non, toujours pas. Et non, je suis derrière toi maintenant. Faut suivre le combat. Hein. Et ben, on bannir tempo, c'est quoi ça? C'est pas ouf. Hein. Le free to play, c'est une référence pour moi. J'espère que je vais solo leveling. Solo level up comme toi, on dirait c'est un main. Moi, ce que je suis content, c'est qu'avec ce compte free to play, on a quand même été chanceux sur l'early. Du coup, ça me permet d'avancer assez bien. Et vu que je poste les rediffs sans rien louper à chaque fois, tout le monde peut voir l'avancée dessus. Ça aussi, c'est trop bien. Putain, il me manque vraiment une clé. Après, faut que je clear des gates aussi. Oh. Je pense là, ce que je vais faire sur le free-to-play, c'est en off, miner mes gates. Je pense personne m'en voudra si je me connecte sur le jeu juste pour miner mes gates, en vrai. Genre, je fais pas de clé ou quoi, juste je me connecte, je mine. Ça me fait chier de pas avoir de ressources là. Je dépense des cristaux. En vrai, par contre, si je mettais de l'argent dans celui-là, je pourrais avancer trop bien dessus. Hein. Le start, il est vraiment Gucci. En vrai, le jour où il y a le monarque de destruction qui sort, j'imagine pas l'aspect, hein, mais là. Bon. Il y a des trucs qui vont sortir dans le futur, ça va être n'importe quoi. Hein. Dis-toi, j'avance en regardant les rediffs. Les rediffs, elles ont un jour de retard par rapport à moi en stream. Mais ça va. J'essaie de les poster le plus souvent possible. Ah, vas-y. C'est trop grave, ça. Ça pour ça en plus. Nanana, le perfect dodge, il roule sur mobile. Faut pas jouer sur mobile. Vous êtes des suicidaires ceux qui jouent sur mobile. Il est horrible sur mobile le jeu. Si tu veux jouer pour de vrai, c'est cancer. Il me fait aussi mal là, what? Wesh, expliquez-moi d'où ils viennent les dégâts, non? Avant de me taper gratuit comme ça là. Je viens de crever. Depuis le début de l'early, je suis sur mobile. Quoi? Et vous avez pas de bug sur mobile? Pour ça, je te vois avec mine, je pensais que c'était ton main. Non, même pas. Faut que je joue Chae, non. Ah, quoique non, en vrai, Jinho ici, il est bien. Je te jure que Chae... Genre, Jinho, quand il y a beaucoup de personnages à break, c'est meilleur que ramener Chae. Yeah.
Allez. Sur iPhone 12, j'ai pas de bug de chargement ou quoi, mon jeu il est fluide. Mais gros, je crois que t'es le seul à qui il n'y a pas de problème en jouant à solo leveling sur téléphone. En plus, sur iPhone 12, c'est une folie. J'ai refait la même que tout à l'heure. Vraiment un troller. Ça n'a rien à voir la run de tout à l'heure et la run de maintenant. Plus jamais je me fais humilier comme ça. Hein. Salut Aka. Pour moi, avoir un téléphone récent pour y jouer. Moi j'ai l'iPhone 13 et pourtant le jeu il est pas fluide hein, quand je veux jouer. Je dis ça mais je veux pas jouer sur téléphone. Mais je sais que déjà rien que dans les menus c'est bancal un peu. La même, je fais PC et tel, j'ai 14 Pro Max et nickel et pas un peu, j'ai tout en Epic. C'est bien. Combien de gates je dois faire là? Encore 4 de plus. Ok. J'ai le full set expert sur 5, non? Ah non, il doit me manquer les boucles dorées. Ouais, il manque les boucles dorées. Par contre, sur Jiwoo... J'ai une deuxième pièce pour elle. Ça, on va le mettre sur Chae. Oh, il est tellement... Wesh! Oh, même sur mon main, j'ai pas ça. Additionnel attaque, attaque, crit damage, damage. Mais il est parfait. What the fuck, item? J'ai un. Après, j'aurai sur iPhone, la batterie ça tient. Si, il doit chauffer. Le téléphone, il doit chauffer fort aussi. Hein. Dans la boutique, c'est des forceurs, ils me vendent que les packs d'amélioration en version deluxe à 10 balles, c'est quoi ça? Des forceurs. J'améliore pas les artefacts maintenant parce que j'ai les challenges après. Mais l'item que j'ai là, je vais le garder très 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 longtemps sur Chae. Win Vulcan sur la globale fait PG. Le reverse? Thank you.
J'ai l'impression qu'ils ont réduit la difficulté de la gate pour me. La POV c'est beaucoup plus accessible qu'avant. Un compte de puant, même pas hein. En vrai je sais pas combien d'heures de jeu j'ai dessus, mais je dois pas en avoir non plus des cent... Franchement je crois sur ce compte j'ai joué 15 heures peut-être, même pas hein. Si peut-être 15 heures quand même. Ça me démange de faire ça. Oh. Pour monter à 60 là. J'en gagne combien? 5. Ouais, j'en gagne pas beaucoup en plus. J'ai besoin que d'une clé en plus. Juste une seule quoi. Ah, c'est trop chiant, sérieux. Ah, nique sa mère. J'ai vraiment pas l'envie d'attendre. J'ai juste envie de continuer de jouer sur le main, j'sais pas, sur le free to play. Je sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai trop envie de jouer sur celui-là, mais. Ça me rend trop heureux de le faire. Je veux pas m'arrêter. C'est des tryharders dans mon serveur, c'est une dinguerie, y'a pas un mec qui joue pas à fond. J'ai essayé 5, GG. T'en vas pas, reste là, reste là. Bouge pas, frérot. Alors, est-ce quoi ce timing de Mongol? Putain! Je vais attendre qu'il soit break pour caler mon ulti de la mort qui tue. Oh fuck! Ça c'est la spéciale, j'ai trop d'heures de jeu, j'anticipe les moves. C'est vraiment la spéciale, c'est que l'expérience qui fait ça là.
Allez, allez. Oh la classe. Let's go. Tout ça pour des vieux items. Par contre, j'ai trop le démon. Je suis quand même en tier 5, hein, on l'a passé. Mais ça me dérange pas de faire du tier 5 si c'est gris. Ok. On a assez ça, on a monté un peu. Clear Renegade. 10 times. Je les ai. Je suis bloqué XP niveau 39 alors que je paye to win et que je joue day one. What the fuck, je fais comment? Wesh, c'est impossible. Farm les side quests, farm le hard mode, farm les gates. Et t'auras pas de problème d'XP. Récupère ton activity found. C'est impossible d'être bloqué en XP si tu caches. Au début du jeu en tout cas. Allez, 3 gates de plus et j'avance dans le chapitre. Comme ça je débloque la faux, je suis content. Pitcher, ce sera pas la reine de cette gate. C'est le pire truc qui puisse arriver, ça. Pas de crit sur Z-Dancer, into derrière un ult qui crit pas. Il n'y a pas pire en situation. Quoi l'event butin mondial? C'est comme à l'early access, en gros, quand vous faites des gates, vous récupérez des lettres. Et après, avec des lettres, vous pouvez récupérer des récompenses, soit des box, soit des gold. Et la troisième, je sais plus ce que c'est. Oh, Red Gate. Oh là là, Chaya va briller. Salut Plumsy. Elda, ça vaut quoi comparé à la faux? Je considère que c'est plus fort et le gameplay il est plus rapide. Mais la faux reste quand même une des meilleures armes sur 5. J'ai toujours pas d'ailleurs comparé. Hein. Ça fait 10 ans je le dis. Il faut que je teste le stuff de Sung. Le stuff ténacité de Chai sur mon Sung pour voir. Si j'ai des meilleurs résultats ou pas. J'aime pas pourquoi depuis tout à l'heure je la joue elle. Les dégâts, je crois on n'est pas prêt pour l'ulti, hein. Je crois l'ulti de Chai elle va l'envoyer. Je compte faire une review de box free to play. Ouais, peut-être plus tard. Pour l'instant c'est pas prévu. Les dégâts de l'ult qu'on rigole un peu.
Pachai qui m'est décrite à 800k sans doublons, sans stuff. Vraiment une princesse, hein. C'est ça qu'on aime. Par contre, j'ai déjà bientôt fini de faire toutes mes gates. Ça veut dire que demain, quand je vais reprendre le compte, on aura bien avancé dessus, en vrai. Après, c'est la meilleure gate là pour lui faire des dégâts. Si vraiment un showcase de Chai doit être fait, c'est sur cette run. Sur le macaque faiblesse light. Et c'est le meilleur endroit pour. Putain, j'ai la flemme d'attendre 20 secondes. Ah, vas-y, on va y aller. Ah, il est pas vu lui. Putain. Pff. Activer plume flower. J'ai cancel. Alors on ne régène plus. Ah ah. Mais si, je crois qu'il régénérait. J'ai même pas vu. Putain, je croyais que j'avais Chai à la place de Jin-Ho, moi, depuis le début, alors que non. T'en penses quoi de Backlight? C'est un bon perso pour break, mais il est pas utile tout le temps. Au début du jeu, il aide bien pour l'araignée, par exemple, mais si t'as Chai, en vrai... pas trop ouf, quoi. En fait, avec l'arrivée de Chai, il a quand même pris un gros coup, hein, mine de rien, Beck. Meilleurs endroits pour les marteaux, c'est les gates. Ouais, les gates et le shop. En free to play. Je peux en avoir 300 par jour des niveaux 1. La gate niveau 32 avec le double boss de ver géant m'a cassé les couilles la première fois que je l'ai fait et au passé je suis content. C'est 215 dégâts crit avec Jiwoo. T'es à 215 dégâts crit avec Jiwoo? Juste avec les artefacts? Non, c'est une folie ça par contre. Oh, petite multi les gars. 30 tickets, vas-y, je lance direct, même pas je préviens. J'ai bien fait de prévenir personne, hein. Et pas besoin de se réveiller pour regarder ce qui allait se passer là. Allez, un petit SR intéressant. Dark Wong Dong-soo. Tu sais, merde. J'ai fait 30 multi sur ce compte depuis que je l'ai commencé. Ça va, hein. On a enfin terminé le chapitre 8, c'était mon objectif. J'ai enfin une nouvelle arme sur Sung, c'est la faux. En comptant le 7 aussi, abuse. Ah!
ça va, ça paraît plus normal. J'ai une multi double SSR Vulcan, j'ai envie de mourir, peut-être, on sait pas. Peut-être, hein, on sait pas. Peut-être t'as envie de crever, hein. Il est bien le jeu. Putain. Si tu savais. J'ai rarement autant kiffé un jeu, je crois, de toute ma vie. Bon comme réponse. Il y a un doublon dans ça gratuit. Ouais, dans le chapitre 12 aussi on peut en récupérer un. En free to play, le jeu vous donne l'info en doublon. Il vous donne deux. Ça remonte à Dokkan la dernière fois. Ouais. Tu peux contrôler ton gameplay. Bah non, non, je... Le jeu il joue comme un boss, mais c'est pas moi qui contrôle. Oh, le jeu tu peux le contrôler. Ça me termine comment il bougeait le mob. Ça se voit, il était pas dans la tempo. Il était là, boum, boum, boum. Je l'ai fait danser en fait. Oh. Bon. Ça va être dur d'être plus rapide. Ce qu'on a eu pour Alicia pour l'instant, tu penses qu'elle va être banger? Ça va être un support. Ça va être un support qui va faire en sorte que vraiment Jiwoo, elle soit encore plus forte que ce qu'elle est maintenant. C'est combien de cristaux de mana on peut récupérer par jour à peu près? Aucune idée. Ça, j'ai pas la réponse. Merci beaucoup Izana pour le tier 1. Les gars, j'ai checké, on est à genre une quinzaine de subs d'avoir 100 subs tier 1. Et il reste encore jusqu'à fin mai, je crois, pour y arriver. Et si je l'ai, du coup, avec Twitch, j'ai le 60-40. Dodo, ciao G. Bonne soirée. Wesh, tout ça? Mais gros. Wesh. Ça fonctionne pas comme ça en plus, non, je somme pour toi. Mais tu m'as mis trop bien, merci pour les 15 subs, wesh. Non, c'est une folie ça. Hein. Merci Tachias pour le tien aussi. Wouah. Merci pour les 15 subs offerts, gros. Incroyable.
Merci beaucoup. Merci, merci. Entre l'arme de Jiwoo et Maemin, tu conseilles laquelle en premier? Jiwoo. Nous, les 100 CB, on peut qu'assister et contribuer avec les pubs. C'est déjà ça, hein. Juste le fait d'être là sur le live, j'avoue, c'est déjà beaucoup, hein, pour moi. Surtout le nombre d'heures que je live et à laquelle je lance et à laquelle je termine. Je suis refait de pouvoir jouer et d'être accompagné. C'est des subgifts aléatoires, c'est normal. Tu m'as conseillé pour former Cerber sans mine. Ouais, t'es pas obligé d'avoir mine pour Cerber. Tu peux jouer les persos hauts en vrai, même SR ils sont utiles sur Cerber. Si t'as Jiwoo, normalement c'est carré. Si t'as Chae, c'est carré. Tu peux jouer Jin haut pour le break. Soit des sub-perso. Et ouais, il faut que ça soit des sub-perso. En fait, il faut que genre 100 personnes différentes prennent un sub tier 1. Encore mission. 3 fois. Ouais, il y a Mastu qui était venu sur un stream. Ça date maintenant. Il a lâché 100 subs, il est parti. Parler au moment où j'écris le message, c'était quoi? Ouais, d'accord, c'est force et perception au max sur Jiwoo. Entre 90 et 95 de précision et tout le reste en force. Ouais. Ça fonctionne comment les primes? Les primes ça compte pas dans le tiers, c'est ça qui est chiant en vrai. Mais c'est quand t'es Amazon Prime ça. Wesh, elle est morte, Jiwoo. Oh, fait. Bon bah. Chae, la France te regarde. Oh, j'ai dit la France te regarde, commence pas à ne pas crier. Ah, c'est mort. Vas-y, la flemme de tryhard. On va faire le tir d'en dessous et on va lui pisser dessus. T'as des concepts de live IRL? Live IRL, non, mais des vidéos IRL, c'est l'objectif pour moi cette année. Solo leveling, je savais que ça allait m'impacter pendant l'année parce que je kiffe de fou, mais... Je vais pas rester... Toute ma vie à faire des vidéos sur solo leveling et toute ma vie à faire des lives sur solo leveling. Je veux stonks plus que ça. On va voir ce que ça va donner les vidéos IRL. Si ça flop, bah ça flopera. Au moins j'aurais essayé, mais je veux pas avoir de regrets. Et si ça marche, bah tant mieux. Je serais très content. Merci pour les 100 bits. Merde les gars. Ah,
si mal. Chapitre RC quand t'as Chai C5, c'est ici de fou. Ouais, carry de fou, Chai. Totalement hors sujet, mais le nouveau trio Gohan, Gotenks, Piccolo sur Dokkan, des gens l'ont testé. Pas moi. Hein. C'est combien un flop pour what? Comment ça un flop pour moi? Bah un flop c'est genre si je vois que mes vidéos ça intéresse personne ou que ça se tonque pas, genre en vrai c'est je pense que c'est un de mes plus gros objectifs que je me suis fixé dans ma vie, mais l'objectif de mes vidéos IRL et de ma deuxième chaîne c'est de faire en sorte de rattraper la chaîne principale et qu'en termes de vues je sais pas si dans un premier temps déjà mes premières vidéos arrivent à faire 20 000 vues, je trouve ça énorme en vrai. Et ça c'est un projet que j'ai sur le long terme, on sait pas combien de temps ça va prendre. Je me donne genre un an pour essayer et si au bout d'un an y'a pas, bah pas grave. Oh, ils me rendent fou avec leurs clés achetées depuis tout à l'heure là. Oh, laisse-moi un peu. Toujours la même clé qui me manque en plus. Vas-y, on a bien farmé là sur le free-to-play ce soir en vérité. Je pense qu'on peut se... Oh, en plus j'ai bientôt une nouvelle pitié. On peut se permettre de le laisser là. J'ai bien bien avancé dessus, je suis content là. Ça fait plaisir. Ah oui, c'est ça qu'il fallait que je fasse. Juste avant... Je change ma tenue. J'ai envie de mettre celle-là. Et je peux prendre mes rewards ici aussi. Perfecto.